Loué et exalté soit le nom de notre Seigneur, déjà pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin d'être ici en cet endroit pour ensemble, avec tous ceux qui sont en ligne dans le monde entier, écouter la parole de Dieu. Nous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis par les cantiques merveilleux et nous pouvons que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait de grand en nous tous. Le cantique à chanter, le dernier cantique, la foi est la puissance pour vaincre. De croire à toutes les promesses de Dieu. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore ce matin, le Seigneur est parmi nous, comme il a promis, là où deux ou trois sont réunis en son nom, là il est parmi eux. Oui, nous voulons aussi entonner des cantiques et ainsi par les cantiques lui dire merci. Commençons avec le numéro 27 dans le petit livre des chants. Le numéro 27. Amen, oui. Est-ce vrai que mon Sauveur Jésus mourut pour moi? Chacun peut se poser la question et aussi donner la réponse. Oui, c'est vrai. Oui, cela s'est passé avec moi. Je l'ai expérimenté. Alors nous pouvons louer son nom. Chantons encore le numéro 28. Il va venir le Seigneur. Thank you.
Amen. Amen. Nous demandons au frère Albert Ford de nous lire une parole de Dieu pour l'introduction et au frère Schmitt de prier. Ensuite, je demande aux parents qui veulent présenter leurs enfants de venir devant. Remercié soit le Seigneur et loué soit-il pour cette heure de grâce qu'il nous accorde pour ce matin, pour les cantiques merveilleux que nous avons entendus et que nous avons déjà chantés. Dans le premier cantique, dans le refrain, à la croix, le matin s'est levé pour moi. Amen. Et mes yeux d'aveugle se sont ouverts, ont été ouverts. Tous, nous étions spirituellement aveugles. Et le Seigneur a ouvert nos yeux. Car dans mon cœur, j'ai reçu le Seigneur, le Sauveur. Sa paix est mienne. Et aussi ici dans le deuxième cantique, cela sera glorieux. Cela sera glorieux. Quand délivré des douleurs, je verrai sa face. Bien-aimés frères et sœurs, ça deviendra un jour une réalité. Car nous le verrons et reconnaîtrons et nous le verrons tel qu'il est. Car nous serons semblables à lui. Sommes-nous pas tous bénis? Déjà de hier, la réunion de hier, est-ce que le Seigneur ne nous a pas richement bénis, ne nous a pas donné sa parole, ne nous a-t-il pas exhorté, averti, parlé avec nous, n'a-t-il pas secouru? Je suis reconnaissant. Mais aujourd'hui, ce matin, c'est un nouveau jour. Et nous croyons que le Seigneur accorde une nouvelle manne, nous accorde de nouveau sa parole, peut nous accorder sa parole et nous accordera sa parole. Que le Seigneur l'accorde à chacun de nous. Je lis une parole dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 13. Tous nous savons de quoi il s'agit ici. Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La première partie du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Est-ce que ce n'est pas aussi notre souhait ce matin? Seigneur, accorde-nous cette eau. Donne-moi cette eau. Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Il vous sera ouvert. Accorde-moi cette eau que toi tu donnes. C'est ma prière. Accorde-moi, Seigneur, cette eau. Seigneur, remplis et accomplis ta parole et tes promesses en moi, en nous. Ce matin, ici ce matin, purifie-nous par ton sang. Baptise-nous d'esprit et de feu. Glorifie toi-même ton nom parmi nous. Confirme ta présence parmi nous. Confirme ta parole. Est-ce que c'est notre prière? Seigneur, accorde-moi
cette eau. Est-ce que le Seigneur n'a pas lui-même dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce sein couleront des eaux de vie. N'a-t-il pas dit? Est-ce que nous croyons ça? Nous devons l'expérimenter. Aujourd'hui et ce matin, c'est possible. C'est possible. Si des croyants se réunissent, qui croient à Dieu et qui font confiance à Dieu, alors cela est à chaque fois possible. Parce que le Seigneur est présent. Alléluia. Je suis reconnaissant de ce que nous ne lisons pas seulement la Bible, mais tout ce que nous lisons est expérimentable, dit le frère. C'est, on peut l'expérimenter personnellement. Pas seulement de le lire, de le croire, mais d'expérimenter personnellement ce que nous lisons. Que le Seigneur puisse nous l'accorder. Ce matin, je lis encore un verset à cela. D'Apocalypse 22, avant que le frère Schmitt vienne et prie avec nous. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau. Qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Que cela soit ainsi, ce matin. Nous nous levons pour l'honneur de notre Seigneur et nous disons merci pour la grâce et la fidélité, pour l'amour qui nous a prouvé. Grand Dieu, nous venons à toi ensemble devant ta face, encore ce matin, comme nous l'avons entendu, encore aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour nous, un aujourd'hui comme tous les autres, mais toi, Dieu du ciel, accorde-nous ta grâce, que nous puissions ouvrir nos cœurs, comprendre ta parole pour que, et croire ta parole pour que cette eau de vie que tu accordes gratuitement, nous puissions l'expérimenter, la recevoir personnellement. Fais-nous grâce pour que ton nom soit glorifié parmi ton peuple. Nous te le demandons, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous. Bénis tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent et qui voient. Nous te remercions que de ce que tu accomplis ta parole, Seigneur, et que ton évangile, comme un témoignage pour le monde entier, pour tous, est là. Je te remercie, Seigneur Jésus. Père au ciel, tu nous as donné l'accès à tout ce que tu fais. Accorde ta grâce pour que nous puissions ne pas seulement écouter, mais mettre ta parole en pratique pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis toi-même, Seigneur, ton peuple. Que cette parole que nous allons écouter aujourd'hui, que elle soit l'expérience de chacun. Loin les lèvres par lesquelles tu parles, nous venons ici, pas pour écouter un homme, des hommes ou bien un homme, mais pour écouter ce que tu as à dire, ta parole, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Accorde ta grâce, donne des instructions, des ordres, et que nous voulons suivre et respecter et glorifier ainsi ton nom. Nous te remercions de ce que tu t'es révélé. Tu n'as rien oublié, tu nous as transmis tout et nous pouvons nous diriger d'après ces choses pour l'honneur de ton nom. Amen.
un cœur et que les enfants viennent devant. Quelle langue? Dans quelle langue? En roumain. Venez donc, oui. Frère Daniel, frère John, venez vous deux, que chacun prenne un enfant. Oui. Voilà, prends un enfant et que le frère Daniel prenne l'autre. Oui. O Dumnezeule tot puternic, îți aducem acest copil, Doamne, înaintea ta, pe Sara, Doamne. Îți mulțumim, Dumnezeule, că ai dăruit-o fraților noștri. O închinăm ție în numele Domnului Iisus Hristos și lasă ca numele Tău, Doamne, să fie peste copii. Să fie peste familie, Doamne, și totul să-ți fie închinat ție. Dă sănătate acestui copil, Doamne, dă putere părinților să-i poată crește, Doamne, în teamă și în frică de Tine. Lasă ca cuvântul Tău să fie în familie. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru clipe acestea minunate din viața familie, din această familie. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvântezi darul acesta minunat. Tu leur as donné un don merveilleux, que ce don soit consacré pour ce temps et pour toute éternité. Accorde la santé et que l'enfant puisse grandir dans la crainte de l'Éternel. Que ta main soit sur la vie de cet enfant. Que tu puisses bénir toute ta famille dans le saint nom de Jésus. Amen. Frère Gilbert. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, les parents se sont avancés avec cet enfant pour te le consacrer, Seigneur. Notre Dieu, ce que tu nous donnes, nous te les consacrons. Bénis, Seigneur, cet enfant, que cet enfant puisse grandir dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous te consacrons cet enfant afin que tu puisses le bénir pour ce temps et pour l'éternité. Accorde la sagesse aux parents de pouvoir l'élever dans la crainte de ton nom. Nous t'avons prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Louer et remercier soit notre Dieu pour sa grâce inexprimable, infinie, sa grâce inexprimable que nous expérimentons, que nous pouvons expérimenter vraiment selon la parole de l'Écriture. Si j'ai trouvé grâce devant toi, laisse-moi connaître tes voies pour que je puisse en cela savoir, reconnaître que vraiment j'ai trouvé grâce devant toi parce que je marche dans tes voies. Alors suis la réponse. Il a fait connaître ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël,
son œuvre. Tout ce que Dieu a promis est lié à l'accomplissement, est lié à la réalité. Et nous n'avons pas d'autre choix que de croire comme l'a dit les Écritures et vraiment d'accepter avec joie ce que Dieu, dans ce temps, a à nous dire et nous laisser diriger selon la parole et la volonté de Dieu. Cette fois-ci, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Sinon, nous avons seulement reçu des mails avant la réunion et aussi des appels téléphoniques avant la réunion. Mais hier, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Tant d'appels du monde entier, après la réunion, toute une pile de mails après la réunion, de partout, tous ceux qui ont écouté sont bénis, sont par la prédication liés avec Dieu et avec nous. Et si on peut toujours lire tous les mails, je ne le sais pas. Mais il y a une chose que tous puissent savoir, que je lis chaque mail. Je lis chaque mail. Et je remercie le Seigneur de ce que des hommes du monde entier, dans tous les peuples et les nations, écoutent la parole. Les deux derniers m'ont particulièrement touché. Notre frère Vladimir de Bashkemien. Oui, de Bashkemien. Qui sait où Bashkemien se situe? Sûrement en Russie, pas loin de l'Oural. Et imaginez-vous, là-bas, ils écoutent, ils sont connectés et le peuple de Dieu se rassemble et ils écoutent la parole en direct. Et encore un mail spécial de Tatarstan. Oui, où sont les Tatars? Où est Tatarstan? Oui, sûrement pas loin de l'île de Kün où les Tatars ont leur patrie, leur demeure. Répétons encore, frères et sœurs, dans le monde entier, et aussi ce que nous appelons Troisième Reich, où il y a 20 ans d'ici, ou bien alors même 10 ans d'ici, c'était difficile, il n'y avait pas les possibilités d'avoir la connexion et de suivre en direct les réunions et de voir en direct. Aujourd'hui, nous pouvons rendre témoignage de ce que Dieu a accordé les moyens et les possibilités pour que tout soit béni sur toute la terre. Le frère Cécile, le frère Hervé, le frère Nyagi, le frère Janson et tout de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Russie, de partout. Des frères ont appelé, ont écrit, qu'ont été bénis. Oui, nous pouvons dans la foi, par conviction, dire que Dieu le Seigneur, dans notre temps, achève son œuvre de la rédemption. Et comme Paul, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 11, autrefois l'a écrit, que la partie élue l'a atteint. Et c'est pour cette raison que le message est toujours en général adressé à l'Église. Et ensuite, il est mis l'importance sur cela, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a accordée d'entendre
ce que l'Esprit dit à l'Église par la parole. Et lié à cela, l'ordre a été donné qu'avant le retour de Jésus-Christ devait s'accomplir, lié à ce que Dieu vraiment dans cet âge, dans cette période prophétique, Dieu a envoyé un prophète, comme il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Nous avons dû écrire que nous rendons un témoignage véritable de ce que Dieu a vraiment, de ce qui a été vraiment dit, et ne croyons pas à la falsification qui a été faite. Nous croyons que Dieu est véritable. Nous croyons que aucun mensonge a son origine dans la vérité. La vérité reste vraie éternellement, et tous ceux qui sont de la vérité croiront le témoignage véritable de Dieu, l'accepteront et auront part à ce que Dieu fait maintenant. Encore la remarque, vous avez tous entendu ce que la chorale a chanté. C'était le plein évangile dans les cantiques qui ont été chantés. Et que dans ce temps, nous ayons la grâce, justement par la parole et par l'Esprit, de permettre à Dieu de parler à notre cœur, d'atteindre notre cœur, et qu'il puisse nous accorder tant de grâce pour que la parole qui est prêchée, chacun individuellement, nous soit révélée par le Saint-Esprit, que nous ayons compris que ce n'est pas un homme qui parle avec nous, mais que c'est Dieu lui-même qui par sa parole et qui parle avec nous. Et ensuite, qui nous pose la question, avez-vous compris tout cela? Hier, j'ai rendu cet exposé merveilleux sur le voyage en Inde. Et vous savez, quand on regarde 50 ans en arrière, c'était plus facile. Et aujourd'hui, ce n'est plus si facile que c'était d'entreprendre de tels voyages. Mais il y a une chose que nous pouvons dire. Même si le corps s'affaiblit, la prédication est toujours plus puissante, toujours plus forte. Et la parole du Seigneur produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et cela sur toute la terre, dans le monde entier, dans toutes les nations, les peuples, les langues et les nations. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné par sa grâce, la liaison à ce qu'il fait maintenant, et que nous avons la grâce de reconnaître cette partie de l'histoire du salut et d'expérimenter, de voir cette partie de l'histoire du salut. Comme nous l'avons dit en insistant hier soir, oui, comme nous devions dire en insistant, que dans l'Église du Dieu vivant, il n'y a que la parole de Dieu qui est valable. Tous les autres peuvent croire et enseigner et faire ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, nous devons rester dans le cadre de la parole de Dieu. Nous devons être dans le cadre de la parole de Dieu et y rester. Parce que c'est seulement celui qui est dans la parole de Dieu. C'est seulement celui-là qui pourra être sanctifié dans la parole de Dieu. Car il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité. Alors il faut être dans la vérité pour pouvoir être sanctifié. Et la parole de Dieu est la vérité. Et sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous sommes particulièrement reconnaissants
reconnaissant pour le ministère de Frère Branham, un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu dans ce temps. Comme cela a plu au Seigneur de le reprendre auprès de lui, mais le message qu'il a apporté de la parole de Dieu nous est resté. Et c'est pour cette raison que nous prêchons le message divin et appelons en relation avec cela, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 53. Seigneur, qui a cru à notre prédication, à notre message, Ésaïe 53, les premiers versets, et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé, manifesté? Nous devons toujours donner la même réponse. Celui qui, de tout son cœur, croit le message divin, à celui-là, le bras de l'Éternel sera révélé, manifesté. Et dans le jour du salut, il recevra le secours de l'Éternel et il sera exaucé, comme nous l'avons mentionné hier de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2. C'est vraiment la grâce de Dieu de trouver la grâce devant Dieu, de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager, et ainsi d'avoir la liaison à la dernière action de Dieu par la grâce de Dieu. La responsabilité qui se repose sur nous est très grande. Et si aujourd'hui nous disons que la responsabilité que nous portons maintenant, que nous avons reçue de Dieu maintenant, vous savez, Dieu porte toute la responsabilité, mais quand nous lisons les prédications de Paul, il était lui-même une partie de ce que Dieu avait fait autrefois, et c'est ainsi qu'il a ordonné chaque chose à leur place. Il a pu le faire avec l'Église, avec les anciens, les diacres, avec les dons et les devoirs, les fruits de l'Esprit. Il a mis tout à sa place, et maintenant, dans ce temps, nous avons aussi ce qui a été aussi révélé à Jean sur l'île de Patmos. Et aussi ce point doit encore être mentionné en insistant. Jean était tellement touché, tellement saisi de ce qui lui a été dit, qu'il avait même le penchant d'adorer l'ange. Le penchant d'adorer celui qui lui avait montré tout cela et qui avait parlé avec lui et lui avait révélé tout ça. Et ensuite, la réponse vint. Je suis que l'un des frères, mais adore Dieu. Et cela est aussi valable dans notre temps. Nous n'apportons aucun honneur à l'homme, au prophète. Tout honneur appartient à Dieu le Seigneur, qui a envoyé ses prophètes tôt, matin et soir. Alors que notre Seigneur autrefois disait, pour quelle raison est-ce que vous êtes sortis? Allez dans le désert, qu'est-ce que vous voulez voir? Un roseau emporté par le vent? Un homme en vêtements? Non, je vous dis, un prophète. Et il était plus qu'un prophète, mais pas plus qu'un homme, pas plus qu'un serviteur de Dieu. Et là aussi, Dieu nous a secourus pour comprendre cela. Nous comprenons, n'est-ce pas? Tous les prophètes ont prophétisé concernant la venue du Seigneur, mais Jean avait la grâce de le présenter, de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est ainsi que son ministère, en comparaison aux prophètes de l'Ancien Testament, qui ont, eux, annoncé tout à l'avance, était justement plus grand que ceux des prophètes, parce que Jean pouvait résumer, et ce qui est écrit dans Luc 16, au verset 16, est aussi important. Est devenu vrai que tout jusqu'à Jean a été prêché, et à partir de là,
le royaume de Dieu est prêché. Donc, tout est mis à sa place bibliquement et l'honneur est apporté seulement à Dieu le Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit dans les cantiques aussi et dans les paroles qui ont été lues, réfléchissez un peu. Alors que Abraham avait envoyé son serviteur Éliézer pour chercher une épouse pour Isaac, où est-ce qu'il l'a trouvé? Au puits. Frères et sœurs, si dans l'Ancien Testament nous regardons comment est-ce que tous ces événements bibliques ont été des symboles de ce qui allait arriver, pour que nous puissions comprendre, pas comme ça quelque part de quelconque, mais c'était au puits, ce n'est pas un hasard, là où Dieu est présent. Et bien, frères et sœurs, le Seigneur lui-même a dit, femme, le temps viendra où on n'adorera pas, on ne boira pas de ce puits, mais où l'eau que je vous donnerai sera en vous et deviendra en vous une source. Bien-aimés frères et sœurs, cette source, elle doit jaillir, elle doit s'ouvrir, elle doit être présente. Et nous croyons que cela se passe. Nous croyons que nous ne venons pas nous rassembler en vain, mais que la parole de Dieu que nous entendons et que nous croyons en nous tous produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. En ce qui concerne la rédemption parfaite, c'est ainsi que nous pouvons aller dans tous les versets bibliques et lire, particulièrement aussi dans Romains, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8. Ces versets, on peut à chaque fois, de manière nouvelle, les lire et dire en insistant. Ici, dans Romains, le chapitre 8, au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est simplement merveilleux. C'est un plein évangile. C'est un plein salut. Et ce que Dieu a commencé à faire, il l'achève pour le jour du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme particulièrement aussi dans Philippiens, cela est témoigné. Ensuite, nous avons dans Éphésiens, le premier chapitre, l'introduction dans ce dessein du salut merveilleux de notre Dieu. Et ici, nous lisons directement à partir du verset 4. Nous devons lire le verset 3 d'abord. Il n'a pas dit le chapitre, mais je pense qu'il lit. Oui, Éphésiens 1, versets 3 et 4. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. L'amen n'était pas assez fort. Nous a bénis, pas seulement nous bénira, mais déjà bénis. Alléluia. Et nous sommes déterminés à recevoir cette pleine bénédiction. Comme c'est écrit ici, de toutes sortes, pas il n'y a rien qui est exclu, il n'y a rien qui est oublié, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Juste tel que c'est écrit ici, qui sont dans les lieux célestes. Dieu, ici sur cette terre, en Jésus-Christ, nous a bénis de toutes
de ses bénédictions spirituelles et nous a donné d'entrer dans la position de fils et de fille, comme la chorale l'a chanté. Oh, même si tes péchés sont noirs comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même et nous a donné le ministère de la réconciliation pour que, en tant qu'ambassadeurs, nous puissions dire à tous, ambassadeurs de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez la réconciliation, acceptez le pardon, acceptez le plein salut que Dieu en Christ nous a accordé. Ensuite, au verset 4, car en lui Dieu nous a élus avant même la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Aussi pour cela, Dieu a pris soin de ce que l'Église épouse devant sa face soit sans tache, sans tache, sans ride, sans soit parfaite. Pas par ce que toi tu pourrais produire, mais par ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et c'est ainsi que toi, tu fais que accepter cette œuvre accomplie pour toi, pour que en toi, elle devienne une réalité divine. Et s'il vous plaît, écoutez encore ce qui est écrit au verset 5, dans Éphésiens chapitre 1. Nous ayant prédestinés dans son amour par Jésus-Christ à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté par Jésus-Christ. Tout nous a été accordé par Dieu, par sa grâce. Nous ne discutons pas sur la prédestination. Non, nous la croyons. Nous croyons ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi que tel que l'agneau, avant même la fondation du monde, avait déjà été prédestiné et déterminé à mourir pour nous. C'est ainsi, de la même manière, que nos noms, avant même la fondation du monde, ont été inscrits dans le livre de l'agneau immolé, avant même la fondation du monde. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. S'il vous plaît, aussi tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle, tous ceux qui peut-être n'ont pas encore fait cette expérience du salut avec Dieu, où la source n'a pas encore jailli, comme on a lu dans Jean 4. S'il vous plaît, acceptez aujourd'hui cette œuvre. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire par son sang. Ce qui est important, bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous puissions toucher toujours de nouveau le noyau et le placer sur le chandelier. Tout a eu lieu par le sang de l'agneau. Et c'est pour cette raison que nous devons et que nous pouvons prêcher Jésus-Christ en tant que le crucifié, et nous avons été crucifiés avec lui. Et aussi certains que sur le chemin de Golgotha, à Gethsémané, il a supplié et il a prié en disant, si c'était possible que cette coupe se détourne de moi, qu'elle puisse se détourner de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et aussi certain que la volonté de Dieu dans le Fils de Dieu a été faite. C'est aussi certain aussi que la volonté de Dieu a lieu dans tous les vrais fils et les vraies filles de Dieu. Ainsi, nous avons aussi dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, déjà
Il nous a montré qu'avant la fondation du monde, notre Seigneur a été déterminé dans Jean 17 à mourir pour nous. Ici, dans Jean 17, on peut vraiment lire tous ces versets bibliques et les écouter et de tout notre cœur les croire. Dans Jean 17, et ici, c'est le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soit aussi avec moi. Nous attendons, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Il est allé pour préparer aux siens une place. Et ici, dans la prière du souverain sacrificateur, il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, pas un dessein du salut qui s'est accompli, non, mais avant même que le Sauveur était né, avant même la fondation du monde, Dieu avait déterminé toutes choses. Il a déterminé tout le dessein du salut dans toute son entièreté. Et par la grâce de Dieu, nous avons la grâce d'avoir part à ce dessein du salut accompli. Remarquez-vous cette expression-là, avant la fondation du monde. Retenez-vous ce mot, avant la fondation du monde. Et nous avons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, ce que notre Seigneur autrefois a dit. Matthieu chapitre 13, verset 34. Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Et ensuite, suit l'accomplissement, c'est-à-dire ce qui avait été dit par l'Esprit dans le psaume 48, verset 2. Et 78, verset 2. Ici, nous lisons au verset 35. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Que tout ce que Dieu, déjà depuis la fondation du monde, avait déterminé, prédestiné, et aussi dans notre temps, a révélé. C'est de ça qu'il s'agit, comme nous l'avons écrit. Même la chute de l'homme était dans le plan de Dieu. Le plan de la rédemption n'aurait jamais pu entrer en vigueur. Mais il fallait que tout s'accomplisse de cette manière pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que tous prennent librement leur décision pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris la décision pour nous. Il s'est décidé pour nous de nous sauver, de nous aimer, pour que nous, à notre tour, nous puissions nous décider pour lui. Tout ce qui a été comme ça déterminé par Dieu lui-même avant la fin du monde s'accomplit aussi dans notre vie. Aussi particulièrement dans Matthieu 25, dans cette parabole connue, la chose la plus importante, la parabole la plus importante, dans notre temps et pour notre temps, Matthieu 25, ici il est écrit directement au premier verset. Alors, donc quand, après tout ce qui est écrit dans Matthieu 24, sur la fin des temps, alors, et ce alors, ensuite, est devenu maintenant une réalité divine parmi nous et avec nous. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges
qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Si nous chantons ces vieux cantiques qui, il y a 150 ans, ont été faits, par exemple, l'épouse attend ta venue déjà depuis longtemps. Quand est-ce que tu reviendras, fils de Dieu, et tranquillera, tout essuiera nos larmes. L'expression était déjà là, le désir était déjà là, durant déjà les âges passés. Mais le temps n'était pas encore entièrement accompli. C'est dans notre temps que le temps est accompli. Et le dernier message retentit. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ce que Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 9, a écrit, nous l'avons compris. Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse. Il fait qu'attendre dans la patience jusqu'à ce que les derniers soient appelés à sortir et que la totalité des nations entre. Ensuite, nous avons cette parole importante de Paul qu'il a prononcée par l'Esprit de Dieu, qu'il a écrite, qu'il devait écrire par l'Esprit de Dieu dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, l'une des écritures les plus importantes pour notre temps, dans 2 Corinthiens, et ici, le chapitre 11. Quand nous considérons tout ce qui a été dit ici, laissez-moi le lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pas dans une jalousie humaine, pas dans ses propres affaires, mais d'une jalousie de Dieu, établie par Dieu. Et l'Église épouse les vierges sages pour leur transmettre ce que Dieu, dans ce temps, a à dire. La parole clé ici est « fiancé ». Je vous ai fiancé à un seul époux, à un seul homme. Quand est-ce que quelqu'un devient une épouse? Avec les fiançailles. Mais auparavant, chaque fille est une fille. Mais au moment où elle est fiancée, elle est une épouse. Au moment où elle est fiancée, le Seigneur est notre époux. Au moment où nous sommes fiancés avec lui. Alors ici, nous avons dans l'Ancien Testament, dans Osée, le deuxième chapitre, déjà la promesse dans l'Ancien Testament, je veux me fiancer avec toi. Ici, c'est écrit. Et cela a sa place aussi ici, dans Osée, le chapitre 2, verset 21. Osée chapitre 2, verset 21. Verset 20. Je serai ton fiancé par fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Lui, le Sauveur, est venu à nous. Pardon, verset 19, en français c'est verset 19, en allemand 20e, français 19. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Il nous appelle à sortir. Et avant qu'elle devienne son épouse, il faut qu'elle ait eu une rencontre personnelle avec lui. Bien, mes frères et sœurs, même terrestrement, est-ce que tu peux devenir l'épouse de quelqu'un comme ça, théoriquement, par théorie ou bien alors par l'internet? Non, il faut que les deux se rencontrent. Il faut qu'il y ait une liaison réelle entre l'époux et l'épouse. Et pour qu'un fiançaille soit possible, on ne peut pas se fiancer comme ça par théorie, mais dans la réalité,
on s'est rencontrés, c'est une réalité, c'est ainsi aussi avec nous, spirituellement. Tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau doivent, avant le fiançailles, l'avoir rencontré, lui le ressusciter. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il puisse fêter un fiançailles. Il faut qu'il ait reçu ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Il dit, je veux me fiancer, verset 19, je veux me fiancer pour toujours. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde. Ensuite, verset 20 en français. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Cela est lié à ça. Si le Seigneur lui-même nous rencontre, et comme il est écrit, dans nous sommes imprégné dans sur la paume de sa main, nous sommes gravé. Il faut qu'il y ait une rencontre personnelle, une relation personnelle avec le Seigneur, pas la religion. Mais si nous appartenons à l'épouse, il faut que nous ayons rencontré l'époux et que nous puissions fêter les fiançailles déjà ici avant les noces, et que entre lui et nous il y ait une relation intime profonde comme deux fiancés. C'est pour ça que la repentance est prêchée, le plein évangile est prêché, pour que nous puissions faire nos expériences personnelles avec le Seigneur. Mais écoutez, ici encore, tel que c'est écrit, je serai ton fiancé pour toujours, le verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours. Déjà, les fiançailles que nous avons avec notre Seigneur, c'est pas pour ce temps seulement, mais pour toute éternité. Déjà, les fiançailles, c'est pour toute éternité. C'est peut-être temps que tous ceux qui sont liés avec Dieu, tous ceux qui écoutent la parole de la promesse et croient, sont liés avec Dieu et restent liés avec lui pour toujours, pour toujours. Ça n'a pas d'importance quelle parole sera prêchée. Nous l'avons lu. Et si nous sommes fiancés, c'est pour toujours. Au verset 20, je serai ton fiancé par la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est véritable. Et il savait ce qu'il allait faire. Accepte cela. Ne doute plus. L'épouse est liée, est fiancée à l'époux. Et elle a la certitude, lors du retour de Jésus-Christ, d'être avec lui et d'aller dans l'enlèvement. Elle a cette certitude-là déjà. Une fiancée ne doute pas. Elle sait que son mari vient la prendre. Elle ne doute pas. Ici, au verset 21, il est écrit. Au verset 21, nous lisons. Et ensuite, en ce jour-là, j'exorcerai, dit l'Éternel, j'exorcerai les cieux. J'exorcerai les cieux. Et ils exorceront la terre. Alléluia. Alléluia. Le temps du salut est là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ. Et encore aujourd'hui, sont en Christ. Par la grâce de Dieu, il nous a bénis. Nous ne suivons pas une explication, une interprétation. Nous suivons notre Seigneur et notre époux. Et nous avons la promesse que nous serons présents quand il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Ensuite, écoutez bien, cela concerne l'épouse des nations. Lisons le verset 25 dans Osée, le chapitre 2. En français, c'est verset 23. Je planterai pour moi l'Oruk Shama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Simplement merveilleux. Dieu a donné des promesses pour Israël et des promesses pour l'Église. Si nous allons ici dans Osée, le premier chapitre, la deuxième partie du verset 2, du verset 1, dans Osée, le chapitre 1, à partir... La deuxième partie du verset 1,
Ihr seid nicht mein Volk. Werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Vous n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés Osée chapitre. Si nous lisons les épîtres de Paul, d'abord, Dieu a appelé les élus d'Israël. Et nous voyons Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Comment est-ce qu'ensuite il s'est tourné? Il s'est détourné des Juifs dont leur temps était terminé. Il s'est tourné vers les nations pour leur prêcher l'Évangile. Cela est à lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Et ici, c'est le verset 45. Quand les Juifs virent la foule, ils furent remplis de jalousie. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Verset 47 maintenant. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Aussi dans ce temps, nous n'avons pas besoin de réfléchir. Nous n'avons pas besoin de réflexion. Au moment où la parole s'adresse à nous, nous la croyons tout de suite. Et c'est à ce moment-là où nous la croyons qu'elle nous est révélée. Paul l'a écrit dans Éphésiens, chapitre 1, encore une fois, a voulu l'exprimer dans Éphésiens et l'a exprimé, alors que ici, dans Éphésiens le chapitre 1, au verset 9, il a dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce n'est pas toi et moi qui a formé un dessein. C'est Dieu et c'est lui qui l'exécute. Et c'est en sa responsabilité de l'accomplir, de l'exécuter. Et nous avons la grâce de simplement nous introduire, nous soumettre au déroulement du dessein du salut dans notre temps. Et ici encore le verset 10 dans Éphésiens chapitre 1. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quand le temps sera accompli, quand le moment arrive où la dernière chose que Dieu a promis s'accomplit, alors cela aura lieu. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Dieu a ordonné toutes choses. Dieu a ordonné, il a un dessein du salut ordonné. Et c'est selon cet ordre que tout s'exécute et s'accomplit. Et c'est ce dessein du salut qui nous est prêché. Encore ici, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux, dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons dire un Amen. Dieu nous a révélé le mystère de sa volonté. Et comme nous l'avons lu, il a ouvert sa bouche et il a parlé en parabole. On a lu ça dans Matthieu 13, selon le psaume 78, pour parler de ce qui était caché avant même la fondation du monde et décidé auprès de Dieu. Et ensuite, nous écoutons dans ce temps, pas seulement les paraboles, mais nous écoutons
Notre Seigneur dit aux foules, j'ai parlé seulement en parabole, mais à vous, mes disciples, vous qui me suivez, cela vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À la foule, encore aujourd'hui, tous connaissent les paraboles, tous savent ce qui est écrit dans les évangiles, etc. Mais ensuite, le Seigneur, lui, s'adresse à ceux qui maintenant croient sa parole et le suivent, à vous. Vous, il est donné de connaître. Vous qui croyez les promesses pour cette heure, vous qui êtes fiancé avec moi, vous qui êtes mon épouse, vous qui avez reçu mon alliance, vous, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous comprenons aussi pourquoi est-ce que frère Branham, s'il va et mentionne Apocalypse 10, verset 7, il a toujours utilisé le pluriel et pas le singulier. Toujours de nouveau, il a fait mention du pluriel que dans le dernier message, tous les mystères de Dieu ont été révélés. Et là aussi, c'est très important de bien écouter et de bien comprendre. Et aujourd'hui, je pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de différentes directions? Et nous avons dit ici, les différentes directions sont à l'extérieur de la parole. Elles sont dans des interprétations. Retenu dans tes interprétations. Il n'y a qu'une seule direction de foi divine et elle est dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Elle est fondée dans la parole de Dieu et fondée dans la volonté de Dieu. Et ça, je le dis devant la face de Dieu. Il n'y a pas une seule incompréhension chez les élus. Tous ceux qui sont élus de Dieu, en eux, ça en qui c'est accompli. Je veux me fiancer avec toi. Je me fiancerai. Je te révélerai, je te parlerai au cœur. Je te révélerai tes promesses, mes promesses. Tu es mon épouse et je te révèle mes promesses. C'est pour cette raison qu'il est écrit. Et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Et ça, c'est justement la certitude que le Seigneur nous a donnée dans cette heure. Et c'est pour cette raison que Paul, autrefois déjà, a écrit, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, l'insistance n'a pas le droit d'être placée sur Paul, mais sur les serviteurs de Dieu, mais fiancé à nous, la relation était au Seigneur. Au Seigneur, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Seigneur. À qui je veux conduire une épouse chaste, pure. Revenons à Matthieu 25. Bien, mes frères et sœurs, cela ne va pas s'accomplir quelque part dans le futur. Aujourd'hui, cela est en train de s'accomplir. Le dernier appel retentit. Le message atteint les extrémités de la terre. Et jamais auparavant, il a été dit à si haute voix et si clairement, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et nous nous sommes levés, nous sommes en train d'aller à sa rencontre. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de théorie en Dieu. En Dieu, il n'y a que la réalité. La conversion n'est pas une théorie. La foi n'est pas une théorie. Le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit n'est pas une théorie. La nouvelle naissance, la conversion n'est pas une théorie. Tout est une réalité divine dans la vie des élus. Et c'est ainsi que tous ceux qui appartiennent à l'épouse sont liés, sont devenus un avec Christ, leur époux, ont reçu dans leur cœur la promesse. Je me fiancerai avec toi dans la justice, dans la fidélité, pour toujours. Et jusqu'aux noces, au festin des noces,
elle est l'épouse. Et c'est après les noces qu'elle est la femme. Et c'est merveilleux. Comment est-ce que Dieu, dans sa parole, a mis tout ça à leur place? Après les noces, elle est la femme. Et nous pouvons dire, oh Dieu, la femme de l'agneau. Nous pouvons dire, oh, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De ce que tu nous as introduit dans les profondeurs de ta parole. Qui sommes-nous pour que Dieu nous donne d'avoir l'accès direct à ce qu'il l'a révélé et à ce qu'il fait? Résumons ce qui doit être dit aujourd'hui. Le Seigneur a une épouse. Il est l'époux. Et vous savez ce que Jean-Baptiste a dit et que nous devons le lire. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, ici Jean-Baptiste a dit la chose suivante. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 27, Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ensuite, le verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et maintenant suit la chose importante. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Bien, mes frères et sœurs, j'attends que aussi ma joie devienne parfaite. Que nous puissions avoir tous compris, par la grâce de Dieu, dans la foi, accepté et reçu, que frère Branham, l'homme envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste, autrefois, était l'homme envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste autrefois. Et comme il est écrit ici, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Je veux vous le présenter en tant qu'épouse chaste, pure. Et ce sont les âmes de l'épouse qui seront enlevées et qui auront part au festin des noces. En tant qu'épouse chaste, pure. Et il dit, cette joie qu'elle mienne est parfaite. J'attends cette heure, ce moment, où cette joie en moi, en nous, deviendra parfaite, parfaite. Bien, mes frères et sœurs, disons encore les choses. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Nous vous avons prêché la parole prophétique, la parole des apôtres. Nous avons utilisé l'Ancien et le Nouveau Testament. Et tout rend témoignage de ce que Dieu fait dans le présent. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, et elle demeure, oui et amen. Et comme hier nous l'avons lu dans la parole d'introduction de Ésaïe 51, nous prêter l'oreille. Il dit, prêtez-moi l'oreille, vous mon peuple, prêtez-moi l'oreille. Et toujours de nouveau, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Frère Branham, avec un appel divin, hier et encore ce matin, une fois je l'ai vu, la confirmation de Washington du 29 janvier 1950,
50, alors que Dr. John Lacey a confirmé que la lumière surnaturelle a dû obligatoirement être là, présente, sinon elle n'aurait pas pu être frappée, être prise par la caméra, par l'appareil photo. Déjà confirmé par un spécialiste des documents douteux. Et je l'ai souvent dit ici, et j'ai pris aussi le temps, je suis allé à Washington, j'ai entrepris un vol là-bas, et j'ai cherché jusqu'à que je trouve la Galerie des Arts, et n'est-ce pas, avec mes propres yeux, j'ai vu, j'ai pris cette photo dans ma main, entre mes mains. Bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, acceptez cela. Je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il m'a directement depuis le commencement ouvert les yeux, ouvert le cœur pour que je puisse croire de tout mon cœur. Je suis aussi conscient de ce que il y a deux différents groupes, vierge et folle. Et je voudrais ici faire cette remarque. Parfois, je dois de manière surnaturelle, je dois faire mention d'expériences surnaturelles. Et la chose se passe, que les uns se réjouissent des expériences surnaturelles que je témoigne. De tout leur cœur, ils se réjouissent. Quand quelqu'un, avec toute la véracité, peut rendre témoignage de ce que le Seigneur a dit et de ce que ensuite le Seigneur aussi a fait, il y en a qui se réjouissent de tout leur cœur. Mais cela peut aussi arriver qu'il y ait des groupes, il y ait des gens qui disent, oh, quoi? Ah, maintenant, il veut se glorifier. Et il se glorifie lui-même. Je vous demande, s'il vous plaît, au nom du Seigneur, de Jésus-Christ, notre Seigneur, faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous dites. Nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire à Dieu lui-même. Et si c'était pas ainsi que Dieu avait utilisé frère Branham en langue anglaise de répéter ce que le Seigneur lui m'a dit en langue allemande audiblement. Frère Branham l'a répété et en plus a donné l'explication et a dit, ce n'est pas des vives, une famine terrestre naturelle qui viendra, et ce ne sont pas des vives, des aliments naturels que vous devez emmagasiner, mais Dieu enverra une faim d'écouter sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps, et cette parole est sur les bandes magnétiques. Ça, je le dis devant la face de Dieu. Et je vous dis aujourd'hui encore plus, si Dieu le Seigneur ne m'avait pas accordé ces expériences surnaturelles-là par sa grâce, s'il vous plaît, j'aurais pas pu supporter toutes les calomnies, toutes les épreuves qui sont venues sur moi. J'aurais pas pu. C'est seulement la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, la force de Dieu qui m'a porté au-dessus de toutes ces épreuves et ces calomnies. Et pour une seule raison, pour apporter le dernier message divin, le frère Jean Lambert venait tout à l'heure dans le bureau et il me disait, frère Franck, ici est la lettre circulaire dans laquelle tu as témoigné 14 des expériences que tu avais, 14. Et je lui ai dit, il y en avait plus. Laissez-moi encore dire cela. Je n'ai pas raconté une seule histoire. Et je n'ai pas inventé une seule histoire. Et je n'ai pas non plus raconté un seul mensonge. Tout tel que je l'ai mentionné, je vais le répéter devant le Seigneur lui-même. Et je vais le trouver confirmé devant Dieu lui-même. Mais, comme déjà cela vient d'être dit, il y en a qui ne sont pas assez véritables. Il y en a qui ne sont pas, qui font du théâtre aux uns et aux autres, ont des difficultés à croire.
que le véritable Dieu, aussi dans notre temps, parle et qu'il donne des ordres. Et comme hier soir, je le disais, aussi en 1976, il m'a été dit d'annuler le voyage en Inde. On doit se mettre à la place de celui-là qui expérimente cela. Le Seigneur, au dernier moment, dans sa fidélité, m'avertit. Si mon ministère avait été effectué, et si j'étais allé pour le voyage de l'Inde de l'époque, j'aurais explosé avec les 96 passagers dans l'avion. Mais le Seigneur, parce que mon ministère n'était pas encore terminé et que le Seigneur voulait encore me conserver, il m'a au dernier moment averti d'annuler le voyage. Qu'est-ce que moi j'en peux? Qu'est-ce que je peux faire que Dieu me parle? Que le Seigneur me parle. Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Des expériences surnaturelles nous viennent sans qu'on ait une influence là-dessus. Et Dieu nous a fait grâce dans ce temps. Qu'est-ce que j'en peux? Et laissez-moi encore dire la chose suivante. Qu'est-ce que j'en peux? Quand autrefois, en février 1980, les frères à Marseille, en France, sont venus à moi et ont demandé, mais dis-nous ce qui est contenu dans les sept tonnerres. Qu'est-ce que j'en peux? De ce que le Seigneur, le prochain matin, avec une voix audible, forte, m'a réveillé. Une voix qui pénètre tout. Il m'a appelé et il m'a dit, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Est-ce que c'était ma décision? C'est moi qui ai demandé à Dieu de me parler? Non, c'est lui qui a décidé de me parler. Et je vais écrire en 1933, après que frère Branham ait vu les sept visions concernant la fin des temps, Dieu lui a montré une vision. Et dans cette vision, il lui a été dit, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et frère Branham a lu 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 5, tel que frère Frank l'a lu, ordonné par l'Éternel lui-même, de 1 jusqu'au verset 5. Et ensuite, il a été dit, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou pas. Ce qui n'est pas écrit, nous le laissons à Dieu. Nous ne pouvons pas le prêcher. Nous prêchons seulement ce qui est écrit. Et tous ceux qui sont de Dieu vont se réjouir de la parole écrite. De ce que ce ne sont pas des fantaisies qui sont prêchées, mais concrètement, la parole de Dieu est prêchée. Et tout le dessein du salut de notre Dieu est prêché tel qu'il a été prêché avant la fondation du monde. Tel qu'il était, conçu avant la fondation du monde. Répétons encore, tel que nous l'avons lu. Le Seigneur est l'époux. Comme Jean l'a dit la dernière fois, nous l'avons lu, dans Jean, l'ami de l'époux se tient là et écoute la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Nous n'avons pas prêté l'oreille à l'appel, nous n'avons pas entendu l'appel d'un homme, mais l'appel de l'époux. Et seulement tous ceux qui sont fiancés à Christ, qui sont liés avec lui, qui sont un avec lui, qui sont sa fiancée, qui portent sa parole dans leur cœur. Vous savez qu'après le fiançailles, ils savent que les noces viennent. Ils le savent. Aussi vrai que tu es fiancé, tu sais que les noces arrivent. C'est pour cette raison qu'il est écrit. Bénis sont ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, qui sont invités. Bien-aimés frères et sœurs, je suis convaincu que tous ceux qui maintenant écoutent les paroles du Seigneur, croient, sont liés avec lui et qu'ils prennent le dernier message au sérieux. Ils croient chaque parole. Et que l'incrédulité n'a plus de place dans leur cœur. Celui qui croit, comme le dit les Écritures, c'est seulement comme ça que notre foi deviendra la victoire qu'a vaincu le monde. Si elle croit ce que dit les Écritures, c'est seulement comme ça qu'elle deviendra la puissance, la force. C'est pour ça que c'est écrit dans 1 Jean 5. Pas une foi quelconque, même la foi qui est selon les Écritures, qui croit ce que dit les Écritures. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, comme le dit les Écritures, qui croit à toutes les promesses, celui qui croit à la réalité de Dieu, à la véracité de Dieu,
Lui qui est devenu notre vie de foi. Cette foi que Dieu nous a confiée, nous a accordée, est la victoire qui a vaincu déjà le monde et les choses du monde. Et comme l'époux a fait retentir son appel, c'est ainsi que, en tant qu'épouse, nous pouvons prêcher dans la tente des élus, dans des justes, crier de joie et dire les bras de l'Éternel conservent la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ est victorieux, il est ressuscité, il parle, il agit, il sauve, il guérit. Dieu est le même éternellement. Plus en parabole, mais il nous parle ouvertement. Ouvertement. Oh frères et sœurs, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ dans ce temps. Encore une seule chose. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Car en vérité, je vous le dis, il a fait de grandes choses. Répétons, comme souvent nous avons eu à le dire, un tel temps n'a jamais existé sur terre, je vous le dis. C'est la dernière période. Et jamais la parole dans tous les détails a été prêchée dans toute son harmonie, a été révélée dans toute son harmonie et dans tous ses détails. Je ne le dis pas seulement, je le pense, je le sais. Tout ce que frère Branham a dit, nous avons la grâce de le retrouver dans les Écritures, de l'ordonner, de le voir dans les Écritures. C'est seulement comme ça que nous pourrons devenir un seul cœur et une seule âme. Et si un frère m'écrit et me dit « J'aimerais parler avec toi, mais seulement sur le fondement des brochures de prédication du prophète, des citations du prophète. » Alors moi, je dois dire à un tel frère « Non, ça ne me suffit pas. Ça ne fait pas. Je ne peux pas prendre des citations l'une après l'autre et les comparer entre s'il y a 50 citations sur les sept tonnerres. Alors moi, cela ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je dois revenir à l'Écriture. Je dois voir où est-ce que tout cela a sa place. Je dois l'ordonner bibliquement pour me laisser aussi ordonner bibliquement. Nous devons revenir à la parole, revenir à l'enseignement des apôtres, revenir au commencement, à l'origine, au fondement, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jamais Dieu va aller au-delà de ce qui est écrit. Tout ce que Dieu fait reste dans le cadre des Écritures. Tout ce qu'il a dit est dans les Écritures et nous avons la grâce d'avoir part à cela. Je veux me fiancer avec toi dans la fidélité et dans la justice pour toujours. Et je suis celui à qui vous avez cru. Je vais vous faire devenir mon épouse. Mon épouse. Je vais pour vous préparer une demeure. Et je viens pour vous prendre auprès de moi en tant qu'époux. En tant qu'épouse. Pour vous prendre auprès de moi en tant qu'époux. Pour que nous puissions fêter les noces. Bien, frères et sœurs, mon cœur est rempli de reconnaissance. C'est plus que nous pourrions penser et demander. Ce que Dieu, dans ce temps, nous a accordé par sa grâce. Et cela demeure ainsi. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que frère Branham, avec le message divin qui contient tout, a été envoyé pour qu'il soit précurseur du retour de Christ. Pour qu'il puisse être, donc le message, pour qu'il puisse être précurseur du retour de Christ. 49 ans sont passés depuis que frère Branham a été repris dans la gloire, ou bien depuis que frère Branham est dans la gloire. Et le message qu'il a apporté va dans le monde entier et atteint toutes les nations, les langues. Que Dieu puisse bénir tous, vraiment, en commençant avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et toute la Terre, surtout le globe, en passant par le Canada, les États-Unis, surtout le globe, qu'il bénisse toutes les langues
l'Est, l'Ouest de l'Europe, le Nord, le Sud, en commençant avec la Finlande, jusqu'à Palermo, et partout où vous êtes, de la Roumanie et jusqu'au fin fond du Nord, que Dieu bénisse toute l'Afrique, bénisse tout le continent, oui vraiment, dans tous les peuples, les langues, qu'il puisse bénir. Reconnaissons aujourd'hui, nous sommes l'épouse de l'agneau. Nous sommes liés avec lui. Il a fait une alliance avec nous par son saint sang, précieux sang. Nous lui appartenons pour ce temps et pour toute l'éternité, pour toujours. Et comme il a dit autrefois, j'ouvrirai ma bouche et je vous annoncerai les choses cachées avant la fondation du monde. Il mentionne le psaume 78 répété dans Matthieu 13. Tel que nous l'avons lu. Et c'est ainsi que notre Seigneur l'a fait aussi dans notre temps. Comme jamais auparavant, il nous a parlé ouvertement, il nous a fait connaître les mystères de. Et lui, le Dieu seul, vrai Dieu, à lui seul soit l'honneur dans le Saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever. Peut-être que le frère Ernst et ceux qui viendront nous chanteront un cantique en espagnol. Nous sommes liés avec Dieu et avec tous. Que le Seigneur puisse aussi, dans la langue espagnole, bénir tous partout où vous êtes sur terre, dans toute l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Amérique du Centre, qu'il puisse bénir partout, dans tous les peuples et les langues, dans la langue portugaise, vraiment dans toutes les langues. Dans toutes les langues, dans tous les peuples. Chantons bientôt, comme ce sera merveilleux. Nous aussi, nous y serons là-bas dans la gloire. Nous entrerons. También una casa fue amada hermana.
Amen. Muchas gracias, dit frère Franck. Oui, c'est merveilleux. Cela n'a pas sa place ici entièrement, mais lors de mon voyage en Inde, j'avais assez d'insomnie. J'ai eu, de manière que j'ai pu très bien exercer les 30 leçons d'espagnol que j'ai eues. Nous sommes reconnaissants, bien nos frères et sœurs. Encore une question. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici qui veulent se laisser baptiser d'eau? Avons-nous des frères et sœurs? Avons-nous quelqu'un? Bon. Alors courbons nos têtes et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Avons-nous compris ce que le Seigneur aujourd'hui nous a dit? Cette haute vocation et ainsi qui nous a été adressée et ensuite que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ici sur terre. Nous a bénis ici sur terre de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La pleine délivrance, la pleine réconciliation, la pleine rémission des péchés, une nouvelle vie nous a été accordée par Dieu lui-même, le Seigneur. Il a dit, je me fiancerai avec toi dans la justice, la fidélité pour toujours. Je te parlerai à ton cœur. Tout cela s'est accompli dans notre vie. Et nous savons que nous sommes l'épouse de l'agneau. Lui, l'époux, est allé nous préparer une place. Croyez-vous tout cela? Dites encore une fois Amen, dit frère Franck. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel fidèle, nous te disons merci de ce que ta parole dans notre temps ne revient pas sans effet, mais elle produit l'effet en tous ceux qui ont été déterminés à être auprès de toi dans la gloire et te les ramène à toi. En allemand, la parole ne revient pas vide à toi, mais elle revient avec remplie de tous ceux que tu as élus avant la fondation du monde. Nous te remercions pour le messager, pour le message. Nous te remercions pour ta parole révélée. Nous te remercions pour la relation que tu nous as accordée avec toi, en esprit, d'être lié avec toi. Ô bien-aimé Seigneur, je te demande, conserve tous dans ta parole, dans ta volonté, et que tous sur terre puissent être sobres, continuer à planifier leur vie, ordonner leur vie, conduire leur vie normalement, qu'aucune opprobre soit apportée sur ton nom par manque de sagesse. Conserve tous sobrement dans la sobriété, dans ta parole, à être normal. Et aussi tout ce qui concerne notre vie terrestre, que nous puissions être normal comme tous les autres citoyens. Fais grâce aussi à tous les jeunes, à tous ceux qui travaillent et qui prennent des décisions, qui ont à prendre des décisions dans leur fonction. Que tout soit fait dans ta sainte volonté, avec deux pieds sur terre, mais avec le cœur lié avec toi. Ô Dieu, fais grâce, bénis ton troupeau racheté par le sang. Ensemble, nous attendons ta venue, toi notre époux. Tu es allé pour nous préparer une demeure, une place, et tu reviens bientôt pour nous prendre auprès de toi. Bien-aimé Seigneur, je te demande que tous ceux qui maintenant écoutent ta parole et croient, qu'ils puissent préparer leur lampe et qu'elle soit remplie d'huile, et aussi leur vase, qu'ils aient aussi leur vase avec eux, remplis du Saint-Esprit, remplis de l'amour de Dieu,
à ta parole, à toi et les uns avec les autres, aux uns les autres. Ô amour de Dieu, parfaite et pleine de tous les âges et toujours nouvelle. Bien-aimé Seigneur, je crois le mandat que tu as donné à Frère Branham. Alors, en tant que l'accomplissement de ce que tu as promis, de ce que tu avais promis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Tu as rétabli toutes choses dans l'état primitif, dans le couple, dans les foyers, dans la famille, dans l'église. Tout est rétabli dans l'état primitif. Et là où ce n'est pas encore le cas, que cela devienne rapidement le cas. Oh, que cela devienne ainsi, que cela devienne ainsi. Seigneur, nous avons pris la décision en ce week-end de t'être fidèle et de te consacrer notre vie. Notre vie t'appartient. Notre vie t'appartient. Car toi, tu as laissé ta vie pour nous. Nous voulons laisser notre vie pour toi. Tu l'as donnée entièrement. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions de ce que tu achèves ton œuvre de la rédemption et que nous serons pris auprès de toi dans la gloire pour être avec toi. Loué et exalté soit le merveilleux nom de Jésus. Bénis toute l'Église dans le monde entier. Laisse luire ta face aussi sur tous ceux qui sont en ligne. Oh, béni dans tous les peuples, les langues et les nations. Appelle à sortir, appelle à sortir. Et nous te demandons que nous puissions être préparés tous ensemble dans l'amour divin, l'amour à toi, l'amour à ta parole, l'amour les uns pour les autres. Car c'est seulement l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimé Seigneur, je le répète encore une fois devant ta face, je te demande que tous ceux qui maintenant écoutent ta parole, par le dernier message, ils sont appelés à sortir et qu'ils puissent croire vraiment et pour pouvoir recevoir tout révélé par ton Saint-Esprit. Oh, tous, qu'ils soient enseignés par Dieu. Aucune interprétation, aucune explication, mais ta parole originale telle qu'elle est sortie de ta bouche. Et nous te remercions de ce que tu l'as déjà fait et que tu le feras encore bientôt dans les derniers qui sont appelés à sortir. Laisse luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction. Je te demande dans le saint nom de Jésus-Christ et je te remercie de ce que tu nous as exaucés et que tu l'as fait. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui l'écoute dise « Viens ». Accorde-le-nous en tant qu'Épouse que nous puissions sans être obligés, poussés par l'Esprit de Dieu, dire « Viens bientôt Seigneur Jésus » et dire aux autres « Maranatha ». Le Seigneur vient. Le Seigneur vient, nous attendons son retour. Loué et exalté soit le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous encore un peu, un moment. Nous sommes vraiment de tout notre cœur à Dieu, reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans le présent. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment particulièrement à tous les frères dans le ministère qui sont ici présents de Kinshasa et de partout d'où ça pourrait être de l'Afrique, que Dieu vous bénisse aussi vous, bien-aimés frères et sœurs de la Roumanie,
Tous nous savons ce que cela signifie quand il y a un travail, quand le travail ensemble est béni. Et en Europe, il n'y a pas un pays comparable à la Roumanie où vraiment tous les frères dans le ministère travaillent ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on voit aussi le résultat. Des milliers sont appelés à sortir et sont conduits au Seigneur. Il y a, je crois, pas un autre pays où 2000 personnes viennent à la réunion ici en Europe. Mais Dieu a fait grâce et a béni et il continuera à le faire. Encore une fois, tous les frères dans le ministère et aussi tous les frères et toutes les sœurs repartis avec des salutations, que ce soit en Finlande, partout d'où vous êtes venus, dans tous les pays, à tous nos frères et nos sœurs qui aujourd'hui ne pouvaient pas être ici. Que Dieu le Seigneur bénisse et soit avec nous, Dieu voulant. Nous allons encore avoir un voyage missionnaire à peu près du 12 novembre. Nous allons aller au Brésil, ensuite au Pérou, ensuite à Costa Rica et ensuite au Mexique. Arriver et finir au Mexique. Et je dois dire que les frères, particulièrement au Brésil, ont loué un stade avec 8000 personnes, 8000 places, et appellent le peuple de Dieu à venir. Et c'est ainsi qu'ils viendront des différentes directions, des différents groupes, et aussi des différentes interprétations à l'intérieur du message La fin des temps, et sont prêts encore une fois à écouter quelqu'un qui peut dire « Je suis témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu dans notre temps a fait. » Pensez aussi aux réunions au Pérou. D'abord, ce sera le frère Miskis qui sera avec moi au début du voyage. Et après, ce sera le frère Erwin Pacheco qui traduit en haut. Il sera aussi avec moi au Pérou et à Costa Rica et au Mexique. Pensez à nous dans vos prières et que Dieu le Seigneur vraiment puisse accorder sa grâce pour que tous soient bénis et repartent bénis à la maison. Vous en Roumanie, bien sûr, très particulièrement, des salutations, reprenez déjà des salutations en Moldavie où Dieu aussi fait de grandes choses en ce moment. Et je vais aussi adresser mes salutations de votre part au frère Kupfer et à plusieurs qui ne pouvaient pas venir. N'est-ce pas le frère Gilbert, hein? Saluez partout à tous. Saluez partout tous. Que le peuple de Dieu soit béni partout dans toutes les langues et les nations. Maintenant, nous demandons que nous puissions nous lever pour la prière. Aujourd'hui, nous demandons au frère Müller, viens s'il te plaît, viens, et le frère Schmidt va se joindre et remettre tout au Seigneur et à sa grâce. Dieu Tout-Puissant, je te suis très reconnaissant de tout mon cœur pour ta merveilleuse et glorieuse parole, de ce qui nous ramène dans l'état pour que nous puissions te rencontrer. Loué et exalté soit ton merveilleux nom pour la préparation, Seigneur notre Dieu, que nous accorde. Alors que tu étais sur terre, tu as dit, je suis venu pour allumer un feu. Qu'est-ce que je voudrais qu'il brûle déjà? Bien-aimé Seigneur, je crois qu'encore aujourd'hui, tu veux que ton feu brûle dans les cœurs. Et que, Seigneur, l'Église soit unie, que ton feu s'infuse sur tous. Oh, que ton nom soit loué, exalté. Reçois la louange, la reconnaissance, que nous soyons un seul cœur et une seule âme pour ton honneur et pour ta gloire, pour que tu puisses achever ton œuvre, confirmer ta parole. Nous te remercions pour cela de tout notre cœur.
pour ces réunions merveilleuses dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Ô grand Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur, nous te disons merci et t'apportons la reconnaissance et l'honneur et l'adoration. Et je me joins aux prières et loue ton merveilleux nom qui est au-dessus de tout nom qui pourrait être nommé. Ô mon Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as parlé. Et nous ne pouvons que dire ce qui a été dit sur le chemin de Maus. Est-ce que nos cœurs ne brûlent-ils pas? Oui, nos cœurs brûlent aujourd'hui encore. Nous te remercions de ce que tu nous as parlé. Je répète ce que j'ai déjà dit. Tu nous as donné l'accès, la liaison à tout ce que tu fais maintenant dans le temps dans lequel nous vivons. Ce sont les derniers moments. Ô Seigneur au ciel, accorde-nous la grâce pour que nous puissions vraiment prendre part consciemment à ce que tu fais et nous laisser préparer par toi pour pouvoir entrer dans les demeures que tu as préparées pour nous. Ô Seigneur, tu es allé pour que nous y soyons aussi là où tu es. Nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour la parole, pour la révélation. Nous te disons merci pour toute la révélation que tu as accordée, pour le mandat que tu as donné dans nos jours. Nous te disons merci. Nous ne glorifions aucun homme, mais nous glorifions ta parole, que tu nous adresses par la bouche humaine, par une bouche humaine. Nous te disons merci et nous te demandons, bénis-nous, bénis tous ceux qui sont présents, bénis tous ceux qui ont écouté, qui ont vu, bénis tous ceux qui se réjouissent avec nous et aussi, comme déjà dit et prié, ceux qui ne peuvent pas être ici, mais qui sont liés avec nous dans ton esprit. Nous te disons merci pour cela. Honneur et gloire et adoration te soient apportés à ton au nom. Amen. Puis-je demander, est-ce que nous avons un amen à cela? Que aussi nos cœurs brûlent, que nos cœurs brûlent, parce qu'il nous a révélé sa parole. Alléluia. Encore une fois, que Dieu vous bénisse tous et soit avec nous tous, aussi tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu le Seigneur achève son œuvre bientôt, et nous serons près de lui pour toujours. Tous ceux qui maintenant entendent sa voix l'entendront aussi quand il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à Dieu. Béni soit le que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous tous dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.